La moindre trace sur le sol, je les suis. Les miettes du pain qu'on a coupées sur la table. Tout à l'heure, on me reprochera d'en avoir fait tomber. Moi, qui n'ai touché aucune tranche. Sage et immobile, au bout, là-bas. Et silencieuse, puisqu'il faut les laisser parler jusqu'au bout. Et que le bout, je ne vois jamais arriver. Alors, je me faufile entre les pieds des chaises. Je mouille le bout de mon index du gras de la langue. Et j'y colle chaque miette. J'en fais un petit tas, là. On dirait le travail d'une colonie de fourmis. Après, je reste entre les barreaux. Et sous ce toit de bois, bien plat et rond. Et la nappe, je ne la reconnais plus, avec ses motifs à l'envers. Qu'est-ce que tu fais là? Je me promène au plafond. J'enjambe les encadrements des portes. Quel espace! Je leur ai raconté comment je fais pour y marcher la tête en bas, et ils ont répondu « c'est bien », parce que ça ne les intéresse pas. Tant mieux. J'ai pensé en racontant que je ne devais pas, que je devais plutôt garder le secret et cet espace blanc et vide du plafond pour moi seule. C'est comme ça, tout sort de ma bouche très vite, je ne retiens rien. Leur très bien m'a rassurée. Ils ne s'allongeront pas tête en bas pour visiter cette autre maison. La maison de l'envers, avec juste un plafonnier chinois en papier blanc planté au centre. La ville est noyée de visages, des sourires, des regards qui fuient ou s'attardent, croisés tous à la même hauteur, sans corps. Une marée de cheveux étrangers, flottant partout, agglutinés ici ou là, toujours en mouvement. Et la ville, puissante organisation de captation des visages, de contrôle du flux des corps. La ville, débordante d'âmes vacillantes et seules, happée par ce qui se vend partout, ce qui se lit partout. Je me suis laissée emporter par le fleuve des visages, une heure durant. C'était parfois comme de laisser les vagues me bousculer, debout, de l'eau à mi-cuisse. D'attendre que la mer me heurte et me bouscule tout entière. À présent, je suis comme saoule et mes yeux sortent de ma tête. À travers la vitre du café, je vois encore ces visages plantés sur leur corps habillés, avec leurs bras longs, au bout desquels pendent des mains, des sacs, les jambes pédalent, pliées, tendues, au-dessus de leurs chaussures. Toute cette vie foisonnante, buffet à volonté, 4 euros les demi-jambes, avec ou sans rendez-vous. Quel est ce lien qui nous tient vivants en ce monde? Je le vois, le mouvement de l'ensemble.
Je le vois, le geste tendre de l'amoureux. La feuille de cellophane emportée par un souffle d'air à travers la terrasse du bistrot. La moue de l'enfant. Je vois ça, qui ne s'arrête pas, qui danse et rend inconscient du sens, qui nous prend et nous entraîne. Pris par la musique, entraîné par le rythme des corps, du vent, des planètes au loin. Toute une vie en musique. Arrêter pour sentir ça qui nous relie. Corps, objet, son et souffle, pensée et lumière. Quel est ce lien qui nous tient vivants en ce monde ? Invisible, il se tend entre nous et ça circule. Dans le regard de tous ces êtres, il y a l'ignorance du lien. Chacun s'imaginant être capitaine à la barre de son propre navire. Quand nous sommes tous, assis dans des jouets de manège qui tournent ensemble. Ensemble. Je nage dans une soupe d'énergie. Mon corps et le corps des autres. Et nos pensées à tous. Nos désirs, notre volonté, notre force. Tout cela mélangé avec la musique du grand magasin. Avec les images qui défilent sur les téléviseurs. Avec le rire d'un petit garçon caché entre deux rayonnages. Tous ceux que je frôle. Tout ce que je frôle me laisse leur trace quand une partie infime de moi s'en mêle à eux. Quand je vous frôle, quand mon corps a votre corps mélangé, quand tout est dans tout et que notre conscience bouge, quand elle seule bouge. La feuille se balance et tombe en tourbillonnant. Comme nos désirs, notre volonté et tous nos espoirs. Comme les rêves et les rires d'un petit garçon. Et voilà que vous et moi sommes mêlés. Tandis que tout me laisse des traces. Tandis que vous et moi c'est un. Et que un c'est tout. C'est une racine et aussi la branche sous la feuille qui se balance et tombe en tourbillonnant. Tout est dans tout et nul n'est solitaire, pas même un grain de poussière pris dans le désert. Maudit d'amour, de colère et de questions dans toutes les langues de Babel.
Et tout se mêle, mais c'est la conscience qui bouge. Quand la glace fond et que le nuage s'étire, ce n'est pas le vent, ce n'est pas le soleil. La nuit, et par-dessus tout les reflets des phares et des réverbères. L'expérience de la ville la nuit et de sa violence sans trace, comme un coup de poing dans un oreiller. Les hommes crient, s'interpellent d'un trottoir à l'autre, ivres de solitude et de désespoir, livrés à la lente descente du temps et à leur impuissance. Fuit à la vitesse des lumières des phares. Les maudits résonnent mollement, dénués de sens. Un inconnu se retourne sur une femme pressée. Bonsoir, ça va? Tout est fuite, tout est besoin de s'accrocher brutalement à ce qui retiendrait la chute dans la désespérance de la nuit. Les silhouettes se frôlent, s'écartent exagérément. Et c'est à chaque fois une possible mise à feu. La ville évacue ses ombres en douce. Sous l'éclairage des réverbères, elle nettoie ses plaies, débonde son cœur. Et tout le fiel explose en injures sur les trottoirs, sous les porches, dans la lumière crue des cafés les plus miteux. C'est le temps des boiteux, des bossus, des cabossés et de tout ce que rejette le grand corps de la ville. Passe le fourgon qui ramasse les débris humains juste avant les éboueurs. Et une nouvelle journée commence pour ceux qui croient encore que la nuit est vide. Thank you.
Des claquements brefs. Volets de fer poussés contre un mur. Et le silence des oiseaux. J'écoute à l'affût dans les brefs silences, entre les bourdonnements, chuintements de la ville, le chant familier. Et dans ce silence des oiseaux, la ville paraît lugubre, comme morte. Elle vibre, grosse machine dépassée et inutile. Tous ses rouages sont rouillés. Ses pièces lourdes, fonte, acier. C'est ce que révèle l'absence des oiseaux. Le jour point malgré le ciel fermé. La ville s'éveille malgré le silence des vivants. Et telle devait être la succession des matins, des nuits. Après l'incendie du réacteur à Tchernobyl. Après l'explosion de la bombe à Hiroshima. Après la mort de ceux qu'on a aimés. Ce que signifie ce sac fermé ? C'est fini, ça veut dire. Les objets qui sont autour du sac, les vêtements sur la chaise, tout ça n'a pas été choisi et serré. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Un sac prêt ? C'est fini ? Prêt, au milieu d'une maison de tous les jours. Et il y a un départ, alors, c'est que d'habitude n'existe pas. Si un sac gros comme deux oreillers fait exploser l'atmosphère de la maison de tous les jours, la tranquillité n'existe pas en ce monde, ni l'éternité. C'est évident. Avec ce sac sur le lit bien fait et sans plis, comment croire à toutes ces choses ? Ce qui dure, ce qui est stable, ce qui tournera toujours, ce qui toujours fera tourner le monde que j'ai besoin de croire pour ne pas me sentir floue et flottante. Si un sac de cuir brun fait tout exploser parce que je doute, et si... Autour du sac, elle en vient à se poser toutes sortes de ces questions qui la plongent dans des paysages intérieurs anciens, comme les premières peintures rupestres. Au même instant, il pleut. Et ça a commencé ce matin, mais c'est maintenant qu'il pleut. Et la pluie même. Toute cette masse liquide qui, si elle tombait toujours, transformerait la masse solide de nos pensées sur l'éternité et tout le reste en eau mouvante et dégoulinante, instable, répond à ce petit tas d'objets et de vêtements serrés dans un sac de cuir brun prêt à partir. Si seulement j'étais un chien ou un cochon, je m'approcherais du sac. Je le reniflerais, il donnerait peut-être un ou deux coups de patte, de dents, de groin pour me faire une idée, et puis je retournerai à mes petites affaires de tous les jours. Dans quelques instants, elle se lèvera, saisira le sac, après avoir enfilé la veste posée dessus. Et puis elle sortira de la maison sous la pluie. Et plus rien ne sera comme avant. Thank you.
Il ne m'a pas parlé. Il ne s'est pas retourné. Debout face à la fenêtre, il regarde le ciel en feu qui enveloppe tout. Chaque matin, nous écoutons le bulletin météo à la radio et on nous dit que personne ne sait quand cette chaleur cessera. Ça continue, ai-je dit. J'étais alors assise sur le banc, dos au mur. Je regardais le ciel par la fenêtre et l'homme qui regardait le ciel. On dirait que ça te plaît, a-t-il grondé les dents serrées. Je n'ai rien répondu, j'attendais. On dirait que ça te plaît ce temps. On dirait tu es là, ça continue. Tu dis ça d'un ton, avec des yeux d'illuminés. Voilà, ça t'illumine ce temps, ça continue. Ça t'illumine. J'attends, il n'a pas fini. J'aimerais qu'il dise, je n'en peux plus, et qu'il pleure. Non, il serre les dents et les poings. Je n'aurai rien de plus. Il se tourne vers moi. Ses yeux brillent au milieu de son visage, presque totalement noirci par la nuit tombante. Je sais qu'il me voit bien, debout, sous le plafonnier. Je sais que sa colère enfle, qu'il se recharge de colère en me regardant. J'aimerais qu'il dise « Je n'en peux plus !» D'où vient cette paix immense qui me remplit toute ? Je regarde cet homme, et aussi par la fenêtre, la nuit encore rougeoyante. J'écoute les bruits de la maison. Tout s'est apaisé. Oui, je t'aime. Tout. Jusqu'à ce jour et depuis toutes ces années. Mon cœur est maintenant à l'abri. Je n'ai pas cessé de t'aimer. Je connais si bien tes colères, tes silences. Je connais toutes les phrases que tu retiens et les déguisements que portent les phrases que tu prononces. Oui, je pars. Ma valise est prête. Ça aussi, tu le sais. Mais j'aimerais qu'avant de partir, tu me dises « Je n'en peux plus !» Et que tu tournes vers moi ton visage d'homme, car depuis plus d'une semaine, je ne vois que ton visage d'ombre. Nous tenons nos corps à distance. Noir comme le charbon. Chaque geste paraît mesuré. J'approche. Et il recule contre la table. Il demande « Quand est-ce que tu pars ?» Et nous savons que ce seront nos derniers mots. Je réponds « Bah tu sais bien ?» En lui montrant la fenêtre et la nuit. Il s'est assis. Et ses mains reposent à plat sur la table. « Ça n'a pas de sens, dit-il. Ça n'a aucun sens. Et je reconnais ces mots-là, dans cette voix-là. Mais c'est trop tard. Cette nuit, c'est trop tard. Plus tard. Il fallait bien décider d'un moment. » Au fond, ça ne change rien. Il chuchote. Ce n'est pas important. Qu'il ne comprend pas. Qu'il ne comprend pas pourquoi je pars. Pourquoi je ne peux pas changer d'avis. Nous sommes deux statues de sel, abandonnées dans la cuisine. Perdues dans l'immensité aride de la cuisine. Tout autour, le silence de la nuit se prolonge. Et s'étire, étouffant mollement les remous du monde. À l'intérieur de la bulle lumineuse qui navigue dans le noir, immobile, la pensée se dilate. Mais avec le calme d'une eau qui s'étale sur un sol carrelé légèrement en pente. C'est le soir. Juste avant l'horizon, un morceau de mer brille aux dernières lueurs du jour. Le jardin est calme, frais, bordé d'aubépines.
Les petits oiseaux viennent picorer les miettes du dîner semées sur le sol de la terrasse, entre la maison et la pelouse. La vaisselle s'égoutte. La toile cirée reste humide du coup d'éponge. C'est le soir. Dans une autre maison, tout s'arrête brusquement. Les assiettes à moitié pleines de nourriture froide sont encore sur la table. Une automobile a démarré dans la cour et s'est éloignée. A disparu. Dans le silence revenu, une mouche visite la cuisine et ses restes. La femme de la maison a quitté sa maison, a quitté son mari, a quitté ses enfants. Elle a soulevé le poids des millions d'années passées assises à l'intérieur et elle est partie. C'est définitif. Personne n'a la force de débarrasser la table. C'est la nuit. Dans la maison du bas, une femme est allongée dans l'ombre. Ses yeux brillent. À son côté, un homme ronfle. Couché en chien de fusil sous le drap, il lui tourne le dos. Il aime dormir le visage vers le mur. Il ne peut dormir que le corps tourné de ce côté. Depuis des millions d'années, la femme observe avec curiosité dans le silence de la nuit l'étrange animal abandonné près d'elle. Au matin, le lait attache toujours au fond de la casserole. Le lait froid est versé dans le bol jusqu'au bord et puis versé dans la casserole pour faire chauffer la quantité exacte. Le morceau de sucre qu'on rajoute fait toujours un peu déborder, toujours une large goutte qui s'étale au pied du bol sur la toile cirée et piquée dans la goutte des miettes de pain brune. La femme, dans une robe de chambre bleue, est assise depuis longtemps. Son bol est vide et froid. Ses yeux suivent la courbe des nuages rapides jusqu'à la mer. La cuisine est pleine de l'absence de la femme, bleue et froide. Ses dents sont serrées, elles retiennent son âme, l'empêchent de s'envoler où vont ses yeux. Ce que les nuages vont vite ce matin. L'homme entre, il arrête le cours fuyant des nuages de son corps chaud et massif. Il vient se poser sur l'autre chaise. Et le corps de la femme, mécanique, se lève, fait chauffer le lait et coupe le pain. Folle, je scrute la peinture des murs et je laisse apparaître les visages des monstres. Grêlé, il me raconte la scène du théâtre. Toutes ces images en mille morceaux, épouvantables, insaisissables, flottant sur la surface blanchâtre et me parlant de leurs mots humains. C'est grotesque. Reconnais-moi car je suis un personnage et tu me rencontreras au milieu d'un tableau. Je veux m'enfuir, mais il faudrait que je quitte ma propre carcasse. Mourir ? Absurde. Je n'échapperai pas à toutes ces paroles, à toutes ces pensées. Je suis tenue d'assister à ce repas de famille des monstres, qui s'éternisent. Tenue d'écouter parce que leur voix perce les tympans et que leurs abominables discussions sans queue ni tête ne me laissent pas indifférente. Je me prépare à de tristes après-midi. Solitaire au milieu de ce brouhaha inconsistant, où je me sens comme à l'intérieur d'une huître, où j'expérimente le rêve d'Alice.
parti. Il a fallu tout organiser, mais elle a l'habitude d'organiser, elle pense à tout. Dans l'agitation des derniers préparatifs de son départ, elle ne s'est pas rendue compte qu'elle partait. Le voyage s'est bien passé. À présent, elle est seule. Et l'esprit plein des derniers soucis de là-bas. Plein des paysages qui la séparent de là-bas. Plein des tâches à accomplir. Ranger les courses, faire le lit, vider les valises, trouver une lampe de chevet, arrêter l'invasion de fourmis dans l'évier avec du vinaigre, aérer, mettre une cale sous le pied de la table branlante, elle fait mentalement la liste du reste. Trouver un sécateur et dégager le lierre autour de la fenêtre, mettre à tremper la nappe jaunie avec de l'eau de Javel, ramasser les pêches pourries, balayer les murs tombés dans la cour. C'est si soudain. Assise là, sur la dernière marche du seuil, l'air et la lumière ont disparu. J'étouffe. Et je reste assise, envahie par un sentiment qui m'empêche de pleurer même. Vois ce fil qui a bougé au coin de la marche. Un fil de soie. Au bout du fil, l'araignée travaille, avance sans heurts, tranquille, régulière. Autour d'elle, des petites poussières de sable, des fragments d'herbe volent de plus en plus fort. Le vent du soir s'est levé pour saluer la lune. Une grenouille a roucoulé un instant, suivie d'une famille de grillons. Elle s'est levée, toute belle et droite, les yeux sur le lointain horizon des collines. Une femme marche. Voici le début. Je suis arrivée ici par hasard. Je veux dire que cette maison m'a été offerte comme une planche de salut. Je ne pouvais plus rester en ville. Je commençais à être vraiment malade. Agitation, nervosité, désordre dans tout. Un matin, je suis tombée toute droite au pied de notre lit. D'abord, je suis restée, mais sans voir personne que lui et l'enfant. Et toujours allongé. Je sentais toute la fragilité de ma vie. Et combien tout ce dont je n'avais pas besoin, tout ce qui ne m'était pas nécessaire, essentiel, me faisait mal. Des douleurs atroces dans le ventre. Je ne voulais pas continuer cette vie. Je voulais quelque chose comme... Le repos le plus total.
En juin, il s'est mis à faire chaud. L'air de la ville était irrespirable, les gens n'en pouvaient plus. Même la nuit, la température ne baissait pas. Une fièvre constante nous assiégeait tous. J'ai préparé mon départ pendant 3 jours. C'était étrangement si facile. Et puis, je suis partie. Partie ? Chargé d'odeur de lavande et de terre chaude. Des bouffées fraîches viennent jusqu'à mon lit. La promenade, première promenade, a été belle. À travers le maquis, jusqu'au chemin de crête où l'herbe est jaune. Et le hérisson, à l'affût de souris dégringolant du toit par cette nuit de pleine lune. Ici, c'est le village désert. Bâti à flanc de montagne, il s'enroule autour du sommet rocheux. Un monde minéral. Les hommes ont pris la pierre volcanique, grise, noire et brûlante, pour construire les murs des maisons, les murets bas autour des jardins, les escaliers et le pavage des ruelles. Autour du village, la nature est aride et trapue. Les genévriers dominent les herbes jaunes et les cailloux. Au fond de la vallée, le lit de la rivière morte est blanc de poussière. La maison est plantée au centre du village. J'y occupe 2 pièces, la cuisine et la pièce du bas, presque une cave qui me sert de chambre. Les propriétaires vivent en ville et le loyer est dérisoire. Derrière la maison se trouve une cour entourée de murs, ceux de la maison qui forment un L, et au fond, celui de la maison voisine dont je ne connais des occupants que les ronflements nocturnes s'échappant de leurs fenêtres ouvertes. Certaines des premières nuits, je me suis assise sur le pas de la porte. Il faisait si chaud que tous les bruits semblaient morts. Les arbres du village, mûriers, tilleuls, platanes, étaient de charbon. Et les chats, des fantômes de chats. Je restais longtemps, l'épaule contre la pierre tiède, les yeux fixés sur le disque métallique de la lune. Les journées passent avec lenteur. J'ai installé une table de travail dans ma chambre. Une planche trouvée au grenier posée sur 2 tréteaux. J'écris là, dans un grand cahier. Thank you.
J'entends que sonne une cloche d'église. La maison est encore dans le petit jour. Je passe devant le jardin des voisins, je frissonne. Je me revois en vacances et tout autour des enfants, des visages, des rires d'enfants. Les petits poussins courent après leur mère. Elles grattent la terre, ils ne bougent plus. En peu de jours, leur plumage s'est teinté de noir. Ils tremblent d'impatience, se bousculent, tant est grand leur appétit de vivre. Sur les murets qui bordent le chemin, le lierre a séché. Je rêve, continuant ma promenade, que je suis née ici et que j'ai tout appris de ce village de pierre, dans cette campagne de mon enfance où choses et gens sont toutes en herbes piquantes, en joues râpeuses et en terre sèche. Un vieux berger disait, quand tu attrapes la vie par le cou, faut plus la lâcher. Il vit sûrement encore et il me suffirait de gravir la route jusqu'au sentier pour le voir assis, rocher sur le rocher et les collines autour. À l'aube fine, il traversera le village avec son chien, tenant un lièvre immense et mort par les oreilles. Soudain, je me sens riche et entourée de loyaux sujets, de suivantes. Je suis une reine dont les histoires que lui conte son imagination, ses souvenirs, son intimité subite avec les choses, sont pareilles à des dames d'atour, discrètes et frivoles. Le calme vient, alors j'écarte ce qui prend trop de place de ce qui compte et je le hisse bien haut, assez pour le faire briller au vieux soleil qui se lève enfin ce matin et redonne au monde sa forme solide et dense. Jusqu'à le faire craqueler comme la peau du melon mûr. J'ai peur des nouvelles de l'extérieur. Je ne suis descendue qu'une fois au bourg voisin pour faire des courses depuis mon arrivée. Partout dans le pays, il fait sec et la chaleur augmente encore. J'ai craint qu'il ne renonce à venir à cause de ça. J'ai passé une journée entière à tourner l'idée dans ma tête. Il ne viendrait pas. Ce jour-là, pour la première fois, la chaleur semblait une bête monstrueuse qui finirait par nous dévorer tous. J'étais prostrée, clouée au sol par cette terreur. Comme des dinosaures, notre temps était venu. L'être humain allait disparaître. Et tout autour, c'est le temps de la désolation. La fontaine du village est statufiée, morte. Les hommes ne se déplacent plus que dans l'ombre des murs. Les maisons sont toutes aveugles. On dirait un temps de guerre.
sourire demande du travail. Une détente ramassée, ce qui est assez difficile à se représenter, de tout l'être. Les nerfs et le reste. Et si rien ne venait maintenant que la place est faite pour écrire? Tout repose à présent et c'est insupportable. Cet engourdissement du corps dans le confort, dans la fraîcheur de cette chambre. Si la main ne suit pas la cadence de la pensée, alors tout s'arrête, c'est ça qui arrive. Et pourtant, je suis prête. Et j'écris cela comme un tigre tourne en cage. Et je jette ces mots-là parce que je n'ai pas accès à l'espace des autres mots. Et si l'ange nous prenait par la main? Oh. Revenir au piton rocheux, là-haut. Revenir au village. Revenir à cette femme qui a tout lâché, pas abandonné. Et qui s'est déliée comme elle a pu et qui est arrivée seule ici, dans cette maison vide et sombre et fraîche, qui se laisse frôler, qui vit son existence de maison sans vraiment se laisser habiter. Qui peut comprendre ce qui l'a poussée à partir? Elle-même... Oh, hey. Elle est loin d'être claire avec ce moment de sa vie. Oui. La crise, l'âge où ça se passe. Et Dieu si, elle aurait tout aussi bien pu se tuer. Ou prendre un amant. Ou faire un enfant encore. Oh. Ou reprendre des études, ou commencer une psychothérapie, c'est si banal. Mais le banal, ça ne doit pas se prendre à la légère. Une femme, une vie de femme, ça ne se prend pas à la légère. Et dans cette chaîne immense de l'humanité, elle a sa place et son importance, plus qu'un livre. Même le meilleur de tous les temps. Cette parenthèse aussi a sa place dans la chaîne. C'est peut-être ça qui fera sauter la chaîne, qui va libérer l'humanité. Ce temps d'absence. Mmh. Je m'absente. Je suis absente. Et pendant mon absence... Oh, avec quelle délectation prononce ces mots-là. Avec quelle délectation. Elle aurait pu les prononcer si elle avait eu la présence d'esprit de le signaler, d'en informer les autres avant de partir. Mais son esprit était déjà tendu vers le village sur le piton rocheux et la maison vide. Déjà partie. Elle écrit. Moi, la femme absente, du plus profond de mon absence que j'écris. Pour garder la tête hors de l'eau, ne pas sombrer tout à fait. Oh, j'ai peur de ne pas savoir revenir. Non, faux, archi faux. Non, mais je n'ai pas peur, surtout pas de ça. Mais plutôt de ne pas déployer toute la grandeur de l'absence. C'est là qu'est la peur. Rentrer avant d'avoir tout vu. Avant d'être morte au moins une fois. Avant d'avoir visité toutes les chambres du château des rêves. Avant d'avoir vécu toutes les heures de la vie seule. Seule, seule. Avant d'avoir connu tout de moi que moi seule doive connaître sous peine d'être statufiée. Ah, et puis non, je n'ai peur de rien. Et même pas des bruits, du noir et des pensées macabres du milieu de la nuit. Car j'apprends la liberté. Pas un instant de retranché dans ma vie, pas une seconde. C'est à pleurer de joie. Elle attend maintenant que vienne l'enfant. Il a 6 ans. Et lui, l'homme. L'après-midi s'allonge paresseusement dans le jour gris et tiède. Le village est paisible et monotone. 4 heures sonnent. Je reste enfermée. En elle, une envie d'enfant se tapit tout au fond de son ventre. Il est là. Ce ronronnement sourd et ininterrompu de petites bêtes chaudes. Quand tout se tait, les rumeurs du dehors, la course des gestes quotidiens. Et alors, ça vibre là-dedans. Et elle écoute. Et elle ne comprend pas que ça se soit abandonné en elle, blotti, sans peur d'être chassée. C'est donc que l'envie d'enfant n'a pas entendu les cris de la femme.
qu'elle n'a pas senti la colère noire qui grondait en elle. Je veux casser et jeter au loin, disparaître et faire disparaître, mordre, pleurer et déchirer. Je veux la solitude et l'éclat, je veux tout le temps à moi. Mais qu'est-ce que l'envie d'enfant peut comprendre à cela? La femme est perdue elle-même dans ses 1 000 milliards de pièces du palais des désirs. Et ses désirs sont désordres. Lorsqu'un enfant pleure au milieu de la nuit, elle monte l'escalier pieds nus. Petit, viens contre moi. Et dans la bonne présence du corps de sa mère, il se tait, sourit, les yeux clos. Tout est silencieux à nouveau. On n'est pas préparé à tant de bonheur dans cette vie-là. Car qu'y a-t-il de plus doux, de plus vivant? Et on préfère s'endormir parce qu'on n'ose pas y croire. Les enfants, c'est du travail, comme on dit. Accoucher, nourrir, laver, bercer, éduquer. Et tout le reste? Les nuits blanches, les maux de dos, les petites joies, les petites satisfactions comme des récompenses. Et balayant tout cela, et si profonde et si différente, cette envie sauvage, pure, authentique et inébranlable. Ils sont si prenants, on ne peut rien faire pour soi. Après, on a du mal à se remettre à vivre. Enfin, vous comprenez? À faire des choses. On en a perdu l'habitude, on ne sait plus comment faire, on tourne en rond, comme vide. C'est incroyable de se sentir si vide après avoir accumulé tant de désirs. Peut-être que le désir creuse un vide en nous et qu'à la fin il ne reste plus de place pour rien. Qu'on est occupé par une sorte de trou noir et désormais tout ce qui entre à l'intérieur de nous est aspiré et détruit définitivement. Je n'en suis plus là, plus maintenant. J'écris un livre. Voilà la réponse. C'est lui qui donne aux mots cette enivrante liberté et cette réalité palpable. Et là, je ressens combien la liberté peut ressembler à un saut en parachute, sans attraction terrestre, et les yeux bandés, tout autant que les coquelicots brodés sur la nappe. Le fil passé dessus, dessous, au travers de l'étoffe, point par point, lié à la trame du tissu vert. Et jamais, sinon le regard n'aurait frôlé le détail du tissage, jamais sans les motifs de fleurs brodés en gros fils rouges et verts. La terrible sorcière Baba Yaga donne la tâche suivante à une jeune fille. Achever la broderie d'une fleur sur une toile tendue. Un ouvrage que Baba Yaga a elle-même commencé. Mais la fleur supplie qu'on lui rende sa liberté. Et la jeune fille, émue, défait alors point par point le contour de la fleur, devenue vivante, et déclenche ainsi la colère de la sorcière. Mais peu importe cette colère. Quant à moi, je ne peux détacher les fleurs. Je ne peux que les coudre par peur du néant. Comme je couds les nuages au-dessus des collines et les collines avec. Et les êtres qui me sont chers, eux plus que toute autre chose. Et les odeurs, l'air, la chaleur. Et tant que j'aurai peur, je piquerai toutes ces choses. Qu'elles restent éternellement. Jusqu'à ce qu'une jeune fille inconsciente et joyeuse réduise ce travail mortuaire à néant et le cœur brisé, je dirais, le mal est fait. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus? En cet instant, je hais le temps, le vent, tout ce qui bouge et fait changer.
Est-ce qu'il n'y en a pas assez d'épisodes, de drames, de faits divers, du divertissement qui détourne l'attention de ce qui compte, de l'existence, de se tenir dressé sur le sol, de respirer, de manger, et toutes ces choses auxquelles nous sommes reliés à chaque instant. Il n'y a pas d'histoire, pas de début, pas de fin. J'ai commencé d'exister bien avant tous les maintenant. Le jour de ma naissance, ça ne veut rien dire, le jour de ma naissance. Tout est inscrit, programmé, tant que nous croyons encore à l'histoire, aux épisodes, au début et à la fin. Tous enchaînés en longues colonnes, pieds sur la terre collante, portant les morts et les malades, tous. Et puis l'un d'entre eux se détache, il est libre, sa chaîne tombe, sa peau garde la trace rouge des fers, mais il est libre. Et bientôt, il regarde ceux qui l'ont précédé, qui s'éloignent, petit point à l'horizon, et puis plus rien. Et derrière lui, souffle une brise portant les parfums du printemps. Et derrière lui, les petits enfants ont un visage radieux, transparent comme celui des anges. L'histoire est finie. Se séparer, ça ne fait pas mal. Ce chagrin qui jaillit, il est l'expression de l'antique douleur d'être enchaîné. Peut-être qu'au fond, je rêve d'écrire un manifeste. Inciter au départ massif des femmes hors de leur foyer, emportant avec elles quelques braises au fond de leur âme et s'installant pour un temps, une saison d'absence, dans des maisons vides. Je sors, je marche avec ce qui en moi chante. Je suis une terre, une planète, toute ronde. Je tiens les océans, les plaines, les coteaux serrés contre mon sein. Et j'avance selon les règles de l'univers. Je sors de la maison. Et j'interroge les arbres, le vent, les collines et la terre nue des champs. Que restera-t-il de moi? Sans que rien ne réponde, la réponse est partout. Ton corps pourrira dans la terre, emporté fragment, par ceux-là qui vivent dessous et œuvrent. Et transforme pour l'herbe et tout ce qui croit avec.
Je sors de ma maison et je tiens un enfant par la main. Je rêvais de lui faire découvrir le monde et il voit mieux que moi le chemin endormi que nos souliers réveillent, le saut de la grenouille entre les herbes et l'arbre qui se baigne dans la cascade née de la dernière pluie. Et par la grâce de cet enfant, je découvre ce que je connais. J'admire son émerveillement tranquille. La magie est de ce monde, m'assure-t-il. Et je vois. Les hirondeaux doutent-ils lorsqu'ils s'élancent du toit pour le premier vol ? Au bord, perchés sur la gouttière, ils sont cinq, côte à côte. Ils attendent. Cinq petits oiseaux sur leurs pattes. Dans le nid, ils se dressaient au chaud, rose, et tout en bec grand ouvert, le plumage noir tout neuf, le cœur peut-être battant vite et fort avant le saut. Pas un n'est tombé. Je voulais faire découvrir le monde à cet enfant, mais je vois. L'hirondelle vole, vole et vole. Et c'est la seule chose à faire pour son petit. Et nous tapons du pied sur le sentier pour le saluer, car il est devenu un ami, ce grand ruban clair qui traverse les collines. La campagne est blonde et claire. J'aperçois un champ tout bordé de haies, églantines, fusains, aubépines. La peau du monde sent le chaud, la même odeur qu'un bras nu qu'on embrasse pendant la sieste, celle d'un saint qu'on tête. Les petites bêtes à l'œuvre découpent, avancent, grimpent, sucent, mâchent, décollent, capturent. Je m'enfonce minuscule à la suite d'une colonie de fourmis. Entre les herbes coupantes, dans l'ardeur du travail, aucun insecte ne m'adresse la parole. C'est l'heure du retour des champs. Je croise les tracteurs sur la route, conducteurs aveuglés par les rayons rasants du soleil rouge. La lumière blanchit, alors que le vent du soir se lève. Tout est dit de ce jour-ci. Il est l'heure de s'asseoir pour regarder filer les nuages blancs, presque gris. Les sapins gravissent le flanc des collines à la queue leu-leu. Et là-haut, le sommet dénudé laisse reposer la tiédeur jaune des prés secs et des broussailles. Encore un peu de jour, encore un peu de mouvement, puis plus rien. Les abeilles sauvages, petites et brunes, ne bougent plus. Rien. Jusqu'au prochain lever de soleil. De la vallée, refroidie dans l'ombre mauve de la pente, monte le hurlement des chiens enchaînés. Les bêtes sauvages près du gîte restent en arrêt, frémissantes. La peur du loup les prend. Comme elles serrent les petits d'hommes contre le sein chaud de leur mère. Le cœur des femmes se fend. Et les hommes lèvent les yeux vers les sommets des hautes montagnes. Me voilà. Je suis de retour. J'ai compté mes os. Tout remis, le cœur surtout, en place. Je suis entière et je n'ai pas perdu mes cheveux d'or. J'ai filé la paille, mes deux bras ont repoussé. Du fond de la mer, j'ai rapporté la statue du prince.
Vois comme il te ressemble. J'ai usé 3 paires de souliers de fer, mangé 3 pains de pierre, suivi le fil à travers les forêts, les déserts et les mers. Et à présent, je suis de retour. J'ai appris le langage des cailloux au fond de la rivière sèche et celui d'une étoile qui allume toujours son petit feu après les autres. Et je suis revenue. Je ne me suis pas retournée. Je suis partie et revenue. Me voilà. C'est arrivé comme ça. Je me suis arrêtée. Je me suis assise. Tout retombait, comme la poussière à la fin du grand ménage. J'entendais retomber le silence aussi. Quelque chose se passait dans mon dos et se déposait. J'ai respiré là où ça s'était déposé. Et ça respirait aussi là où ça s'était déposé. Comme après le grand ménage, je contemplais mon intérieur, comme on dit. Et je humais l'espace clair et propre. Je m'en imprégnais. J'avais remué tant de choses, déplacées, découvertes à l'intérieur et à l'extérieur, que le calme m'enivrait. C'était si soudain, c'était si inattendu. Je pensais que le désordre se dressait devant et derrière, et même tout autour de moi, avec la densité des montagnes. Et voilà que quelque chose s'était déplacé en moi. Alors que je tournais le dos, alors que j'étais si tendue à mettre de l'ordre là-bas, en cet autre endroit de moi-même. Et à l'instant où quelque chose s'est déplacé, tout a trouvé sa place.